Hello, hey, je m'excuse, j'étais en train de partager ça avec quelqu'un. Hello guys, je croyais que j'étais toute seule dans la place. Je vous ai délaissé. C'est ça, je vais faire un live avec Dr. Funk et on va parler d'énergie. Fait que pour ceux qui aiment ça, parler de spiritualité puis de savoir comment on connecte dans l'énergie, comment ton habit d'humain fonctionne, comment mon habit d'humain fonctionne, puis voir, c'est ça. Nos genres de capacités de connexion. Fait que je vais entendre. Je le cherche là, mon ami. Là, salut Joe. Ça fait un méga bout que j'ai pas fait de live. Fait que ça fait plaisir d'être là avec vous autres, avec les deux personnes qui sont là. Et là, on partage ça. Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes, fait que juste de l'envoyer à quelques personnes et mettre des petits cœurs là, pac, 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 taper dans le troisième œil là. Tu, 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 tu. Il est où, Olivier? Je cherche. OK, invité. Ah, voilà. Fait que salut, salutations, on va parler de spiritualité. Fait que ceux pour qui ça intéresse, restez là, puis sinon, décrissez. La fille est insultante, là. Je vais faire ça avec mon ami Doc Parfunky. C'est un petit peu boiteux pour l'instant, là, mais ça va y aller, hein? Guys, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous autres? Êtes-vous au boulot? Êtes-vous dans le métro? Moi, je suis où? Chez nous. Hello, ceux qui sont là, qui passent et qui repassent. J'attends mon ami. On va faire un live ensemble. Vous en foutez? Pas moi. Invite la fleur spirituelle. Non, c'est pas elle. Mais allô, la fleur spirituelle, comment ça va? Je vais faire le live avec Dr. Funky. On va parler d'énergie, comment notre antenne d'humain capte l'énergie. Fait que ça pourrait t'intéresser si tu as du temps pour rester là. C'est pas toi, haha. C'est pas toi, Dr. Funky. Ça, tu vas bien? Tu as bien commencé l'année? Comment va ton podcast? Hey, moi, je vais commencer un podcast là. Oh! My God, ça va décoiffer, là. J'ai dit, là, il n'y a personne qui écoute, mis à part toi, là. Un podcast avec un rappeur. Quand un rappeur rencontre une médium, ça va être électrisant. Puis en plus, je parle en français, puis lui parle en anglais, tu sais, juste pour te dire à quel point c'est improbable, là, comme duo de podcast. Ça va être hot en tas, là. Là, on va commencer. Ben, on a déjà enregistré notre premier épisode, puis il va être en ligne mardi prochain. Fait que stay tuned. Ça va être original, ouais. Puis d'autant plus que c'est bilingue, puis qu'on pense pas pareil pantoute, là. Mais tu sais, il y a certains points sur lesquels on se rejoint, mais en général, et là, on a des sujets qui s'en viennent, là. Je te jure, ça va décoiffer, là, parce qu'on est vraiment pas d'accord. Fait que. Là, qu'est-ce qu'il fait, Olivier, là? T'es où? Olivier, je te vois. C'est toi, ça? Non. Il est en train de se coiffer. T'as-tu entendu mon rire démoniaque? C'était n'importe quoi. Encourage tes spectateurs à partager ton live. Hey, partagez mon live, guys. Puis tapez-moi dans le troisième œil. Tac, 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 tac. Fait que là, ça fait que dans le For You page, le live apparaît. Vous autres, si vous avez rien à faire, tapez dessus, là, pac, pac, pac. C'est si simple. Ouais, moi aussi, j'ai hâte d'écouter ça. Ben, genre, on l'a déjà écouté, le premier épisode, là, c'était bon. On a mis la table, en fait, là. Puis, tu sais, comme ça, il y a les sous-titres. Mettons, tu sais, nous, on parle en français. Fait que là, sur YouTube, on met le sous-titre. Quand lui parle en anglais, ben, on a le sous-titre français. Mais si on est bilingue. Ça y va, là. Non, allô, Perséphone?
Qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Voyons! Va l'inviter à nouveau. Je peux pas l'inviter encore, on dirait. Tu. Bon, je vais partager ça à du monde. Clac, clac, clac. Est-ce que vous entendez quelqu'un qui chiale en arrière-plan? C'est mon chat. Ça, c'est. Ce son-là, il me dérange pas. Le jour, la nuit, ça me dérange. Je sais pas pourquoi, ça me réveille. Bonjour! Tantôt, je faisais une vidéo avec mon ex. Je vais mettre ça sur YouTube, là. Hey, on s'est chicané, là! Hey, dans la vidéo, là, bang, 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 les couteaux volaient bas, là. Oh my God! Oh my God! C'est pas vrai. Mais enfin, on a pleuré. C'était un bon spectacle. Fait que Karine, drôle d'illuminée sur YouTube, là, pour voir ça. Hé, où ma coquette d'Olivier, là? T'es en train de se coiffer le toupette. Ben, coudonc, la fleur m'a invité avant ça. Ah, il y a Ousmane Vire qui veut que qu'on soit en live ensemble, mais moi, attends quelqu'un. Excuse-moi, je t'ai refusé, mec. Je sais pas t'es qui, du coup, hein? Et peut-être qu'il veut faire... Ah, accepté! Hey, Non, t'as là! Allô? allô, je t'entends quasiment pas. Non? OK, c'est mon son à moi. Ok, bon, c'est ça, le problème, il est 6 pouces derrière l'écran. Tu réussissais pas à m'inviter ou qui Ah oui, acceptait pas je t'ai ton nom? invité. Je t'ai partagé toute la kit, là. C'est bizarre. Ah. Te voilà. Parce que moi, j'essayais de t'inviter, puis ça disait indisponible, puis là, ça a fini par fonctionner. Ah oui! Tabarnouche, la technologie, elle nous dépasse. Hey, moi, attention, ici, j'ai 20 000 personnes dans mon bar, là. Que nous autres, on n'est pas beaucoup, là, juste 70 000. 70 000? Ok, c'est bon. C'est bon, fait qu'on a une bonne moyenne. J'ai pensé à toi, j'ai vu, parce que moi, j'étais un fan du Gang Show, puis je savais pas que tu avais été faire ça, puis je t'ai vu passer au Gang Show. T'es bonne, moi, c'est quoi que j'aimerais faire? J'ai trouvé ton audace, puis le. Ça, c'est ça, se lancer dans le vide, là, de t'en foutre, puis de le faire pour toi, mais c'est quoi que j'aimerais faire? Je le sais que je suis capable de faire rire, mais c'est un tout autre niveau quand t'es là devant les spots, là. T'as le spotlight d'en face. Hey, c'était fou cette affaire-là parce que, tu sais, moi, mon père il est décédé, puis après ça, j'ai une amie de mon âge qui est décédée, puis après ça, une amie plus vieille. Puis là, je me suis dit, hey, merde, je suis sur la liste, là. Fait que, qu'est-ce que, justement, sur ma liste, tu sais, sur mon lit de mort, de quoi, qu'est-ce que je pourrais regretter, puis c'était de faire un show d'humour. Fait que là, moi, je venais de laisser mon ex en plus au mois de mai. Puis je m'étais inscrite au gang show. J'étais allée toute seule parce que tous les billets avaient été vendus. Fait que moi, j'y vais là. J'étais crazy. Puis en plus, t'as vu la finale, ils m'ont dégagné. Ouais. Ah, c'est C'est une vraiment première. hot pour vrai. Et le fait que Ouais. Charles il ait réussi à miser juste du genre, toi tu dois tirer aux cartes ou de quoi du genre. Ouais. Tu crois ça, ces affaires-là, toi, il est allé me stalker, c'est clair, là. Tu penses? Avant. Ben oui, ils vont stalker tout le monde, Je sais pas. là. C'est sûr. Ça, c'est Hey, mon petit merci, côté parce que c'est naïf. pas... Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Oh, il était vraiment bon. Ouais. Hey, fait que je suis contente de te parler. J'ai eu ce Salut, merci. flash-là tantôt, tantôt hier, la semaine passée, je sais pas quoi, là. Fait que, what's up, Doc? Ben, tu me fais sortir de ma tanière. Ouais, Ouais, puis là, j'ai décidé, tu sais, moi, je fais gros depuis le mois d'avril que je suis vraiment comme en dehors de la map, là. Puis que je vis vraiment plus ma vie. Mais c'est ça, c'est inexplicable. Chacun a fait son chemin, mais. Je trouve ça le fun de faire mon chemin, mais je réalise que, tu sais, pendant que je m'isole, ben, je manque d'opportunités, justement. Je me bloque de plein d'opportunités d'avoir des messages de l'univers, comme. Fait que je me suis Ah dit que si j'ai des personnes qui me contactent, exemple toi, ben, je dis oui. Tu comprends? Fait qu'il y a des gens qui ouais. m'offrent des choses, je dis oui, puis là, j'essaie de plus dire oui
à ces opportunités-là. T'es rendu un yes man. Ouais, mais tu sais, en me respectant, là, malgré tout, je ferais pas n'importe quoi. Ah, oh, OK, parce que moi, tu sais, je suis en béquille, là. Je sais pas si tu le sais. Ah, J'ai tu me la cheville l'avais dit. cassée. Ben, fait que là, j'ai mon plancher à laver. Fait que je croyais que tu dirais oui. Mais toi, c'est arrivé comment? Hey, la grosse affaire. Moi, j'étais avec ma fille. Fait des crêpes. Tu sais, on fait samedi garderie. On appelle ça de même. Elle a 24 ans. Fait que on passe du temps ensemble. Là, on s'en allait. Belle journée, là. On s'en va marcher dans le boisé. Il est à 5 minutes en voiture. Je vais porter un petit sac, pour tout dire l'histoire, là, un petit sac de caca de chat pour ce bord de la route. Mais en m'y rendant, glace noire dans le cours, j'ai glissé, puis là, j'ai entendu crack, mais un Oh. crack. Et là, je me suis mis à hurler. Là, j'étais sur le dos et là, je capotais. Là, Olivier, si j'avais eu une pilule qui fait je peux mourir sur le champ, ben Ah, sur la ça. glace noire en fait. Ah ouais, j'étais découragée au centuple, là, je voulais plus vivre là, c'était fini là. Moi j'étais dans un désespoir absolu, je ne voulais pas jouer à ce jeu-là, ça me tentait pas. Je comprenais pas pourquoi que tu avais à passer par là, là, à ce Ouais, mais moment-là. là je le comprends, puis c'est correct là, je suis résignée là, fait que. Mais sur le coup, je ne l'ai pas trouvé drôle du tout. Est-ce que J'étais ça comme non. reprend bien? Ça reprend-tu bien? Oui. Ouais, là, ça fait 3 semaines. Hier, j'ai enlevé les petits collants. Là, j'ai vu mes cicatrices. Waouh! Moi, j'hésitais entre me faire un tatouage ou des cicatrices. J'ai opté pour les cicatrices. Ma première, moi, ça, je t'ai dit qu'on allait s'en parler en l'air. Moi, on voit pas bien, bien, là. Mais moi, c'est sur mon Non. doigt. On voit pas, hein. OK. Moi, je jouais avec mon chien à peu près dans le même temps que toi, à peu près pour un mois et demi. Je jouais avec mon chien, puis ma bague ici, elle a cogné sur sa canine. La canine, elle a tout ouvert mon doigt. Mais je pensais que c'était lui qui saignait. Puis à un moment donné, quand ça s'est rendu à mon cerveau, là, je faisais tabarnak. Et là, je me suis mis la main en dessous de l'eau. Là, ma blonde, c'est une ancienne infirmière. Là, je l'appelle, je dis, mon bébé, viens ici, viens ici. Là, elle vient, puis elle dit, ouf. Là, quand elle a dit ouf, j'ai fait ouf. Et là, je suis devenu blanc. Là, j'ai mis la main sur le. Ah, ça filait pas. Là, j'étais sur le bord de. T'sais, là, je respirais, je me disais, calme-toi, là, tu tomberas pas à terre à cause que. Mais c'était ouvert vraiment beaucoup. Là, j'ai eu 9 points pour ce petit bout de doigt-là. Là. Ah, 9 points quand même, hein? Ah, et puis moi, j'avais jamais eu de points ou de. C'était une première pour moi. Mais aussitôt quand c'est arrivé, là, je me suis dit, tu sais, pourquoi? Tu sais, c'est niaiseux. Je t'ai dit, t'aurais vu le jeu. C'est un jeu que je joue à tous les jours. Pourquoi que là, c'est arrivé? Ma bague est tout le Ouais. temps là, je joue tout le temps pareil. Puis finalement, c'est une rencontre que j'ai eue là-bas avec. Salut Chamonix. Une rencontre avec une madame là-bas. C'est là que des fois, t'as aucune idée. Là. Tu sais, c'était même pas pour Ouais. moi, là. Tu sais, moi, je l'ai pris personnel, j'étais là. T'sais, ça me faisait chier là. T'sais, après ça, ma Ouais. bague, imagine ça, mon doigt il est coupé. Puis là, à l'hôpital, il faut qu'il te gèle, faut qu'il te pique ici. Fait que là, il faut que j'enlève ma bague. Ouch. Et là, il me dit, enlève ta bague. Check, je me pas capable de l'enlever de même, imagine là. Ah ouais. Ah, c'était pas une belle Ah, mais expérience. après ça, c'est quand on se blesse de même, après ça, on voit à quel point tous nos membres sont vraiment occupés, importants, je veux Mais pas juste dire. ça. Moi, qu'est-ce que ça me fait réfléchir, c'est à quel point que, comme ta cheville, se répare toute seule. Ouais. C'est pas toi qui travaille, là. Ton corps, le. Ton corps Ouais. fait toute la job, là, tu sais. Ton corps physique fait toute la job. C'est magique, là, pour vrai, de voir tout ça faire. Ouais, j'avoue. Puis en même temps, de l'autre côté, tu sais, du côté de victime, mais mon corps s'est cassé, fait que il est poche. C'est-tu la première fois que tu t'es cassé un os? Ouais. Puis c'est en plus, c'est la première fois que j'habite toute seule. Fait que c'est là que j'aurais besoin d'habiter avec quelqu'un parce que, hello à ceux qui se joignent, on va parler de spiritualité, là on parle de blessures. Mais tu sais, imagine ça là, t'es en béquille là, clac clac, tu veux apporter ton café, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de café là, t'as pas de nourriture, t'as rien là parce que tu t'auto-traînes. Hey, je suis rendue une douchebag des mains là, j'ai de la corne là, à force de me traîner. Mais là j'ai trouvé une solution, ma chaise d'ordi. Elle me sert comme un petit Oh. plateau roulant pour un café. Fait que je suis tout le temps en train de pousser ma chaise avec les béquilles. Comme... Là, il y a mes chats qui sont là, ils veulent des affaires.
Moi, je dis, hey, guys, là, non. Hein? On est dans le Vous voulez jus. moins de choses, là. En tout cas, c'est toute une adaptation. Puis moi, vu que je suis hyper rapide, ça m'apprend à relaxer, puis aussi à demander. Exact. Fait qu'y a-t-il quelqu'un qui part de Granby pour aller à Saint-Jean? Je vais aller voir le chat C'est dans des de ma fille. situations de même qu'on se rend compte à quel point qu'on prend pour acquis beaucoup de choses de la vie. Tu sais, comme Ah toi, oui. mettons, on s'en rend même plus compte. Là. Comme qu'est-ce que tu as dit, ça peut arriver à n'importe qui, là. Tu es prêt Ah pour oui. acquis de prendre ton café, de faire toutes tes choses. C'est comme moi qui Ben, moi, je sais. la première Vas-y. affaire que j'ai dit à ma blonde, moi, c'est ma main gauche. OK? J'ai dit une chance que c'était pas ma main droite. Parce que j'ai dit, Ah là, il aurait fallu que j'aille piler sur mon orgueil. Sur un moyen temps pour tout ce qui est question, parce que moi je suis droitier. Fait que ouais. tout ce qui est question d'hygiène personnelle, de Ah. faire une chose de la main gauche, incapable. Là, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais me pratiquer de faire des choses handicapantes, dans le fond, de me forcer moi-même à faire des choses que je suis pas habitué parce que c'est ça. T'es Fait dans que là, une. Olivier, t'es-tu en train de nous dire que tu torches de la gauche? La droite. Non, mais tu pratiques de la gauche? Pas encore assez à l'aise avec ça. Ok, parfait. On n'en parlera pas, Fait que voyons Stéphane a donc. dit, on parle de quoi? On parle de rien. Là, On on va parle. parler de spiritualité Non, quand c'est parce qu'elle a pensé croche, mais on parlait pas de ça. Ah, parce qu'elle a pensé. Oh, ouais, hein, c'est qui cette cochonne-là? Personne ne fait ça, voyons donc, avant le mariage avec soi-même. Jamais, jamais. Ah ouais, toi aussi, tu t'es brisé la cheville l'été dernier. Puis, Étoile Galactique, tu marches bien maintenant, là? Parce que moi, j'ai hâte, hey, j'ai surtout hâte de prendre mon char, là, et pas le prendre, mais tu sais, conduire à nouveau, C'est ton pied droit? là. Ouais. OK, fait que tu pouvais. OK, je viens de comprendre. Je peux pas conduire, là. Ça fait 3 semaines que je suis dépendante. OK, ouais, ça c'est une autre affaire aussi, non, c'est ça. Là, faut que tu te demandes beaucoup. Oui, clairement. Tu sais, exemple de l'épicerie, exemple, ben, les cas simples de la vie. Hey, mais j'ai réussi quand même à garder un cours de yoga. Puis je me suis fait un best buddy à mon cours de yoga. Puis il va aller me porter, me reconduire, un monsieur à retraite, Pierre Marcotte. Tu sais, comme le comédien, je sais pas quoi, Ouais. mais c'est pas exactement lui, On le là. salue. Ouais. C'est toi la cochonne. C'est quoi ton nom? Je vois pas 444 quelque chose, Fait que, Olivier, toi, là, parce que nous, on s'était rencontrés ben, sur TikTok, enfin, on s'est jamais vu en vrai. Puis, je sais que tu fais des tirages de cartes. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, quand tu tires aux cartes, est-ce que tu te mets dans une ambiance quelconque pour. Parce que ce que je veux dire, c'est que les cartes, c'est un support pour transmettre un message. Fait que, t'as-tu tout le temps besoin d'un support, soit les cartes, ou comment ça fonctionne pour toi, Ben moi, ça, je te la dis, connexion? depuis le mois d'avril, j'ai eu un gros bouleversement, mettons, comme mon plus gros éveil depuis mon premier réveil, si on pourrait dire. Ah ouais. Parce que oui, je le sais que c'était juste un support, les cartes et tout ça, mais depuis le mois d'avril, je réalise que tu sais, finalement, c'est tout à l'intérieur de nous, puis cette canalisation-là qu'on fait, c'est naturel. Puis le plus que tu mets des choses extérieur, le plus que tu brouilles, parce que là tu vas gros avec ton mental, puis là c'est ça. Puis pour répondre à ta question, oui, je me mettais dans une ambiance, mais maintenant, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas besoin de me mettre. Tu sais, avant ça, là, fallait que je m'allume un encens, que je place mes choses, puis que je sois dans un calme. Maintenant, j'ai plus besoin d'être dans le même calme. Parce que tu sais, ici, on a beaucoup d'enfants. Puis, une affaire que j'essaie de pratiquer encore et encore, là, c'est d'être en paix dans le chaos. Puis, Ah ouais. ça m'a montré ça aussi un peu. C'est que le plus que tu es capable d'être, que le bruit extérieur pour toi ne fait plus rien, ben en bout de ligne, n'importe quelle distraction, peu importe, ça devrait pas changer ta manière. Ça, c'est dans ma vérité à moi, là. Ça devrait pas changer ta manière de canaliser. Tu sais, si t'es capable d'être vraiment dans une paix à l'intérieur de toi, là, tu sais.
Ouais. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ben, une paix aussi, puis aussi en s'aidant dans le sens où, tu sais, si on vire une brosse la veille, le lendemain, c'est brouillé. Ouais. Si il y a des émotions qui sont accumulées, qui n'ont pas été canalisées, soit sorties ou dégagées d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans le sport, dans la créativité, dans l'écriture, peu importe, ben ça aussi, ça peut brouiller les cartes quand on a trop d'émotions vives. Ah, Je je sais pas pour comprends. toi si... Ben Ouais, moi toi aussi, t'en as plus. ben je consomme pas d'alcool, fait que je pourrais pas parler, mais en consommant, mettons, là, j'irais dans le sud, ben je tirerais pas quelqu'un aux cartes pendant que le lendemain, je suis à la Ouais. brosse, c'est ça? C'est sûr que non. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis ça, c'est de respecter, tu sais, de te respecter puis de respecter l'autre. Je ferais pas de soins énergétiques non plus. Ça, Ah, c'est. t'en fais-tu, d'ailleurs? Ouais, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais oui. J'ai tout fait. Ah, Mais ça, c'est une autre affaire aussi que je me suis rendu compte. Depuis le mois d'avril, il y a beaucoup de limitations qui se sont enlevées dans mon esprit et dans ma personne. C'est que l'être humain, je vais parler de moi là, quand je parle de l'être humain, là, moi, je cherche beaucoup à comprendre le pourquoi qu'on est ici, puis puis beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions. Puis j'ai juste réalisé que t'es ici pour vivre, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça, la spiritualité, c'est vivre, c'est une bonne bouffe, c'est de rire, c'est pas des juste lives comme... exister. Exact, tu sais, c'est juste d'exister, t'es correct, Pas là. juste exister. Pas Non, mais juste pas juste exister. d'exister, mais tu sais, en voulant dire, t'as pas besoin de chercher le comment du pourquoi de tout qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, tu sais. Je sais pas si c'est clair comment que je l'explique, mais les choses t'arrivent à toi, t'es observes. Il va y en avoir des fun, il va y en avoir des plates, il va y en avoir qui vont te mettre en crise, il y en a qui vont te faire rire aux larmes. Mais où est-ce que j'essaie de me projeter, là? C'est que le plus que j'avance, le moins que les expériences, je veux qu'ils me touchent. Puis ça a l'air bizarre dit de même, là. Pas que je veux plus Ouais. connaître la joie, mais c'est parce que plus que j'ai réalisé que je mets de l'importance sur les choses le fun, plus que j'en mets aussi ces choses plates. Tu comprends? Fait que quand de quoi de plate m'arrive, je trouve ça vraiment plate. Puis quand c'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis je suis gros là-dedans dans deux extrêmes, moi, puis j'essaie d'être plus au milieu, là. Ah ouais. Sais pas si c'est Puis clair. on vient de... Oui, tout à fait. Puis on vient dépendant aussi des highs de la vie, là. T'sais, quand c'est vraiment le fun, on en veut, on en veut, on en veut. Puis là, quand il n'y en a pas, c'est comme, wow, c'est bien plate. La même affaire pour la connexion spirituelle, t'sais, d'avoir des messages ou des synchronicités. Il devient pour moi comme là, t'sais, mon normal, si je peux dire, est extraordinaire à comparer de ma vie d'avant, mais cet extraordinaire-là est devenu normal. Je comprends, hein. Ouais, fait que autant tous les flashs que j'ai, les visions, tout ça, les soins que je fais, le livre que je suis en train d'écrire, que je canalise, les flashs, qu'on soit ensemble là, un nouveau podcast que je sors, t'sais, tout ça, c'est parce que c'est cet extraordinaire-là qui devient normal. Ça aussi, je suis pas sûre si c'est clair, Ah, je comprends, ouais. là. Ouais, Mais OK. l'affaire, c'est que, tu Puis... sais, le plus, tu sais, quand tu disais dans le fond, pas quand tu disais, quand je disais tantôt de pas porter attention, tu sais, pareil comme, mettons, sur TikTok, les haters, puis les commentaires qui sont beaux. Si tu mets pas d'importance ces beaux commentaires comme ces haters, ça te fera rien, la personne qui te dit, parce que tu le sais au fond de toi, t'es qui, puis ça t'affecte pas. Mais c'est comme les beaux moments, puis tu sais, j'étais en gratitude de vivre des beaux moments avec ma famille, avec les enfants. Quand je ris, je suis vraiment content, mais je nourris pas trop ça parce que je le sais que ça passe, puis je le sais que les moments plus plates vont venir, puis ceux-là aussi vont passer. Puis le moins que je porte d'importance, puis que je fais juste comme... Tu sais, le meilleur truc, la meilleure phrase que je peux dire, là, c'est que j'essaie d'être plus comme sur un courant d'eau, là. Je vogue, puis des fois, t'es en haut, c'est le fun, des fois, t'es en bas, mais c'est pas plus plate. Tu sais, il y a tout le temps de quoi apprendre, puis quand t'es dans le creux comme toi en ce moment, t'es dans un bout de pas prendre ton auto, mais ta vie est pas plate, puis que c'est tout fini, là, tu sais. Même si t'es dans un creux, tu Ouais, ben c'est un creux aïe. Tantôt, sais. quand je suis tombée crack, c'était un creux vraiment creux. Mais là, c'est bon, là, j'ai plein de joie, j'ai plein de projets, tu sais.
En fait, tu sais, on a l'électricité, la technologie, là. On peut aller n'importe où sur la planète, là, connecter avec n'importe qui en tout temps. Fait que voir que je me plaindrais, là. Hey, merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui donnent des cœurs. Je vous vois, je vous vois, je vous remercie. C'est vraiment le fun que vous soyez là. Merci à Olivier aussi d'être là, puis aux personnes qui sont de son côté également. Mais je vois ce que tu dis, Olivier, puis qu'est-ce qui est le fun dans ce que tu amènes comme propos, c'est que, tu sais, autant, c'est exactement ça, on est un funambule qui doit être sur la ligne entre l'ombre et la lumière, puis d'accepter les deux côtés. Parce que Ah. c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on réfute le côté sombre, on en a besoin de ça pour réaliser qu'il y a de la lumière, sinon, ça n'existerait pas tout seul. Ouais, exact, mais j'entendais quelqu'un cette semaine qui parlait là, mettons là, si on était juste deux personnes dans l'univers, OK? Pour être capable de remarquer que quelque chose change, excuse-moi, il faut que tu sois capable de le comparer. Je pense que c'est la loi de la relativité, de quoi de même? Si je suis toute seule, OK, ou j'essaye d'être juste dans la lumière, si j'essaye d'être toute seule dans l'univers, je serais même pas capable de savoir que je bouge parce que j'ai rien pour comparer autour de moi. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu es capable d'avancer, tu es capable de te comparer, mais c'est ça. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, là, mais. Ah, ben là, tu voulais juste me baver si t'es capable d'avancer en béquille, c'est ça, Ouais, c'est ça. Olivier, t'étais ailleurs, t'étais sur un autre. Ah, je suis gros dans ma tête, puis j'essaie de plus en plus, je m'enracine, je vais dans le bois. Mais c'est une affaire, moi, qui... C'est inexplicable. Régis pourrait me comprendre, là, il y a des fois, je me rends compte, là, tu sais, j'ai été, avant l'été, avec Régis, parler. Puis des fois, tu as des choses dans ta tête que tu voudrais dire. Mais t'es même pas capable, je sais pas, tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Je sais, tu sais, j'ai une pensée dans ma tête que j'aimerais partager, mais c'est inexplicable. Les mots ne me viennent pas. C'est inexplicable, puis je le sais que ça fait aucun sens qu'est-ce que je dis là, mais ça fait du sens dans qu'est-ce que je vais vous dire dans la suite. C'est qu'on est tous là à essayer de se comparer les uns puis les autres, mais nos vies à nous sont tous uniques. Les moments qu'on vit reviendront jamais, puis on est là à essayer de savoir c'est quoi une vie, c'est quoi. Mais tu sais, en bout de ligne, là, tout le monde trouve son bonheur comme qu'il le veut, là. Tu sais, pour toi, d'être dans une belle vie, c'est avoir X, Y, Z de ton quotidien, rire, peu importe. Mais pour moi, c'est carrément autre chose, puis c'est bien correct, mais je trouve que de plus en plus avec les réseaux sociaux, les gens essayent d'avoir comme une clé magique. Tu sais, qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Mais je suis pas à ta place, puis je le serai jamais à ta place. Qu'est-ce que toi tu veux, tu sais? Puis c'est de plus en plus ça que j'essaie de me dire de moi. Puis tu sais, j'adore les autres personnes, mais depuis le mois d'avril, c'est gros moi, ma famille, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Notre monde autour, puis notre monde change beaucoup, puis je le vois, tu sais, puis je trouve ça beau. Mais en même temps, c'est là la balance. Tu sais, je veux pas être dans l'extrême de juste je me moi. Je veux pas me bloquer de belles opportunités, puis je veux vivre des beaux moments avec d'autres personnes. Pour ça que je te dis que c'est. Merci. Merci Manon qui dit merci à Olivier d'être là. Je vous suis tous les deux, bel homme. Toupie, Nathalie, vous êtes inspirant, j'adore votre théorie, cette logique, j'adore. Complètement d'accord, harmonisation, ombre et lumière. Merci, merci pour vos commentaires, Merci. merci d'être là, merci de partager puis de nous cliquer sur le troisième œil. Sagère a dit qu'il faut juste faire de notre mieux. Exactement. Tout le monde vit la même vie. Le plus que tu fais de ton mieux partout, puis c'est impossible d'être parfait. Mais l'affaire, c'est quand tu croises des gens que cette journée-là, c'est toi qui manges la marde de cette personne-là, c'est d'être dans. À un moment donné, c'était toi, peut-être cette personne-là, dans une autre réalité, dans un autre moment de ta vie, qui l'a craché ton venin sur quelqu'un qui le méritait pas. Puis c'est là maintenant que j'essaie de vraiment, tu sais. Je te souhaite une belle journée, puis pour de vrai, tu sais, sincèrement, tu sais, comme ici Racine nous dit, t'aimerais pas ça être à ma place, c'est même pas ça. C'est vraiment d'essayer de comprendre que il n'y a pas de pire situation. Tu sais, si tout le monde était capable
de tout raconter. Admettons, là, on aurait un gros stage, là, puis toute l'humanité, les 8 milliards, on est là, là, puis on monte un après l'autre sur le stage raconter notre histoire. Je peux te dire que les gens pleureraient, riraient, puis tout le monde comprendrait, parce que il y a un sage qui a dit, si tu étais capable de marcher dans mes souliers depuis le début de mon existence, tu aurais fait les mêmes choix que moi. Puis je trouve ça beau, parce que c'est vrai. Si, tu sais, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Tout le monde essaye le mieux qu'il peut de vivre avec l'information qu'il y a, mais il n'y a personne qui a la vérité. Il n'y a personne qui va savoir qu'est-ce qu'on fait réellement ici, puis on va mourir, tu sais. Puis, tu sais quoi, moi, ça fait des années là, que sur mon ordi, tu sais, le petit logo de l'ordi là, où il y a tout concentré là-dedans, ben moi, il s'appelle pas Karine, mon ordi, il s'appelle Joie. Fait que moi, je me rends ça dans la tête, joie, 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 parce que je suis pas une personne, à la base, qui était joyeuse. Maintenant, de plus en plus. Puis là, moi, 2024, j'ai décidé que qu'est-ce qui me menait, c'était la joie. Qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire professionnellement, mais dans ma vie personnelle, ça va avec parce que je travaille autonome. Fait que, qu'est-ce qui me propulse, qu'est-ce qui me donne de la joie? Moi, j'aime interagir avec les gens. J'aime niaiser. J'aime le sens de la répartie. Ben, tu l'as vu tantôt, tu me parlais de l'humour. Ça me fait triper être dans un groupe puis lâcher des blagues qui ont juste pas rapport, mais que c'est tellement pile poil et que tout le monde se met à rire. Pour moi, ça, c'est une grosse joie. Fait que je veux amener de plus en plus de ça dans ma vie. Puis, avec la joie, ce que ça fait, c'est que il y a l'état de victime qui prend le bord. Pendant des années, moi, j'ai été une victime. Tu disais tantôt, il y a quelqu'un qui disait « t'aimerais pas ça être dans ma vie ». Ça, pour moi, de la façon que moi je l'interprète, c'est un état de victime. Si on n'aime pas qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre vie, qu'est-ce qui se passe, c'est parce que c'est comme si on lâche puis on donne le pouvoir à l'extérieur de soi, alors que c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Puis c'est normal, tu sais, de tomber, de se craquer la cheville, d'être découragé, mais après ça, tu sais, de se relever, tu sais, puis de pas se rouler dedans pendant des semaines et des semaines. Tu sais, quelques heures, c'est correct, puis après ça, flipper ça de l'autre sens, voir qu'est-ce que j'ai en ce moment pour lesquels j'ai de la gratitude, puis il y en a tellement, on est tellement choyés. Déjà, il n'y a pas de bombe qui nous éclate sur la tête, là. On a tous de quoi manger, puis on a un beau lit douillet. Fait qu'on a vraiment une bonne base de la pyramide de Maslow. Fait que là-dedans, moi, je comprends pas qu'on peut être dans un état de victime. Pour moi, c'est terminé. J'allais déjà été longtemps, par exemple, cette victime-là. Totalement. T'sais, une affaire que j'ai commencé à pratiquer, ça fait peut-être au-dessus d'un an, là, c'est le matin puis le soir. Aussitôt que je m'ouvre les yeux, là, moi avant ça, là, les enfants me levaient, là, puis là, j'étais fâché que mon sommeil soit perturbé. Puis maintenant, j'essaie de plus en plus, je m'ouvre les yeux, puis merci, tu sais. J'étais encore avec eux autres. J'étais encore, je suis pas mort pendant mon sommeil, tu sais. Puis le soir, peu importe ça a été comment, merci. Juste d'être là, juste d'être en vie, là, tu sais. Parce que comme tu disais tantôt, on prend pour acquis beaucoup de choses. Puis c'est ça. On s'en rend compte quand on les a perdus, quand on a passé au feu l'année passée, nous autres, j'ai réalisé beaucoup qu'on prend pour acquis des petites choses de la vie. Mais c'est ça qui est triste, c'est que l'état de victimisation, aussitôt que tu laisses, j'ai entendu quelqu'un parler de ça comme tes pensées, voir ça comme des dragons, ok? Puis quand que la pensée, elle arrive comme un dragon, si t'embarques dessus, là, lui, il va t'apporter là, dans sa grotte, là. Puis là, tu vas voir des noirs, tu vas voir, tu sais, tu vas nourrir ce dragon-là. Tu peux juste les observer puis les regarder voler puis te dire que... Puis c'est correct aussi de le nourrir pendant 30 minutes comme toi avec ta cheville, là. T'étais fâché, tu comptais. Puis à un moment donné, t'as juste passé à autre chose, tu sais. Ça, c'est difficile. Ouais. Puis moi, ça a été difficile pour moi. J'étais quelqu'un dans mon passé, dans une ancienne version de moi, très rancunier envers des personnes. Puis si tu faisais quelque chose à ma famille, je t'en voulais, tu sais, puis c'était niaiseux de ma part de nourrir ça, là. Ça servait absolument à rien, là. Tu sais, tu me fais penser être rancunier ou de rancunier puis ouais, t'es pas en train de stopper, là. Être rancunier ou l'autre mot là qui vient avec, tu sais, qui est contraire au pardon, là, de rester là-dedans, là, d'en vouloir à quelqu'un, tout ça. Ah, c'est quoi le mot? Ça m'échappe.
Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est à nous qu'on se fait du mal. C'est comme si on buvait une petite gorgée de poison chaque jour, tu sais, d'entretenir ça, puis on espère que ça soit l'autre personne qui soit malade. Ah, C'est fou, carrément. pareil, hein? La rancune. Hey, c'est quoi l'autre mot là qui vient avec la rancune? Je la cherche, mais ça me vient pas. Mais on sait tous de quoi je parle. Si Ouais. quelqu'un est plus allumé que nous deux, écrivez-le. Orgueil, pas tout à fait. Rancœur, ressentiment. Ouais, rancœur, ressentiment, rancune, mais l'autre, tu sais, qui est contraire à pardonner, là. Que, en tout cas, On mais sait c'est ça que on sait quoi. je... c'est ça que je veux dire, là, ce mot-là, ça, c'est comme boire un peu de poison puis d'espérer que l'autre personne soit malade. C'est un non-sens, là. Ouais. Tant qu'à ça. Puis plus qu'on alimente une pensée, plus qu'elle grandit, puis plus qu'on se fait aussi une espèce de monde qui n'existe plus, finalement, on l'a tout Ouais. créé. Fait que Ah, tant c'est qu'à fou et réfléchir, raide. T'es ouais, tant carrément qu'à dans ta penser. tête. Ah, t'es dans un. On est des scénaristes. Puis si tu embarques ces dos de dragon, là, t'es rendu complètement ailleurs que où est-ce qu'elle est. T'sais, des fois, t'es là, là. Là, tu irais juste parler à personne, puis finalement, rien de qu'est-ce que tu t'es dit est vrai, là, tu sais. T'es complètement dans une réalité parallèle, là. C'est drôle. T'sais, moi, Ouais. ça me fait rire maintenant de voir ça de. Ça me fait rire pour vrai, là. Ben, au moins de l'observer, déjà d'être observateur de nos pensées, puis de faire OK, non, ça me tente pas de rembarquer dans ce cercle pensée-là. Tu sais, parce que souvent, une pensée nous amène une autre, une autre, une autre, une autre, puis ça tourne en rond. Fait que là, c'est d'ouvrir ça, de bondir, puis d'aller dans un autre cercle pour penser différemment, pour Ouais. avoir des émotions qui nous font plaisir, là, pas juste justement ressentir de la colère ou de la rancœur ou l'autre mot que j'ai oublié, là. Qui nous fait vraiment pas du bien, finalement. On est tous en train de chercher le mot, je m'excuse. C'est pas les mots que vous avez écrits. Ouais, puis ça baisse le taux vibratoire. Allô, Marilyn! Hey, quand on va aller voir le show du mot, je vais marcher. Je vais être réparée. Il y a Francine qui dit l'amertume, culpabilité. Non. Ouais, ça fait toute partie de ça. Il me semble qu'il y a un D dans le mot. C'est pas dépression ni de nos. En tout cas, m'excuse là pour les amoureux de la langue française. On va être pogné avec ça pendant un petit moment. Moi, je me demandais ça. Je voulais parler avec toi justement pour que les, tu sais, de. Le plus qu'on parle, le plus que les gens veulent pas, tout le monde se reconnaît un peu, là, veulent pas. Toi, c'est comment que tu ressens les choses, comment tu ressens l'énergie? OK. Hey, ça, c'est une question en développement. T'as-tu quelques minutes? Ouais, non, mais je le sais que c'est une question de développement, tu sais, puis je le sais que je suis large, je suis pas précis, puis c'est voulu, mais c'est comment que tu ressens l'énergie pour toi, tu sais? OK. Ben, je vais décortiquer ça le mieux que je peux, OK? Parce que ça, c'est tellement subtil, les différences de couches énergétiques ou de façon de connecter. Tu sais, moi, je fais des séances individuelles. À distance, hier j'en faisais une, entre autres. Puis, tu sais, ce que je fais au début, c'est que je vérifie l'enracinement de la personne pour voir. Déjà, si c'est équilibré dans le bas, puis là, je monte dans l'énergie. Moi, j'ai une faculté que j'ai développée. Tout le monde peut faire ça aussi, là. Je suis pas meilleure qu'une autre personne. C'est juste que je me suis exercée. J'ai la faculté de voir l'énergie. Puis là, quand je suis montée, là, son enracinement était beau, il médite bien, il était bien enraciné de chaque côté, mais là, tout de suite, je vois un personnage. Fait que là, je dessine le personnage. Là, tout de suite après, j'ai un mot qui me vient. Fait que moi, soit que je vois en image, soit que je vois des chemins énergétiques. Comme là, l'autre fois, mon ami, il avait mal au dos. Fait que là, moi, je fais juste me connecter, je mets ma main exactement là où il a mal, puis là, je vois le chemin énergétique de la douleur, puis en l'espace de 1 minute ou deux, j'ai délogé ça pour que l'énergie circule. Je suis capable de le faire à distance également. Fait que je vois l'énergie comme ça. Je capte des images qui m'amènent à parler avec la personne pour décortiquer ce que l'image veut dire pour cette personne-là. J'entends des mots également
qui, encore là, on décortique ensemble, mais des fois, c'est vraiment clair sur le coup, fait que je sais exactement où l'aligner. Sinon, je ressens, c'est là ta question, mais comment je le ressens? Des fois, je le ressens direct dans mon corps. Je peux ressentir le mal physique d'une personne ou le mal émotionnel de la personne que je ressens en émotion, soit que, ah, la gorge me serre ou j'ai mal au cœur ou, ah, comme là, lui, hier, je sentais, ça me toquait fort sur le troisième œil. Fait que là, ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Là, il était, ah, oh, oui, OK, je suis pas sûre. Bon. Fait que, sinon, comment je ressens, tu sais, l'autre fois, tu sais, avec ma cheville cassée, j'étais à quatre pattes dans le coin de l'armoire. T'es en train de faire un peu de ménage d'armoire. J'étais craquée, là. Puis là, je ressens une grosse présence arriver derrière moi, mais tu sais, ça, je l'ai ressenti en arrière de moi totalement. C'est quelqu'un de bienveillant, sinon, out. Ah, c'est ça, mais admettons, là, je vais t'arrêter, là, parce qu'on est dans un Ouais. exemple. Comment que tu as fait pour savoir, là, parce que tu l'as ressenti, fait qu'au premier, tu as ressenti une présence, puis qu'est-ce qui a fait que tu le savais que c'était bienveillant, puis que c'était pas, au contraire, admettons, Oui, c'est une bonne question. Facilement. Quand c'est bienveillant, on se sent enveloppé, on se sent comme bercé un peu, c'est doux. Si c'est malveillant, ça vient, c'est comme crispé, on a peur, notre cœur se met à battre plus vite ou les poils peuvent se dresser. Ça devient tendu, on vient stresser. Sinon, c'est relâché. C'est comme être dans le spa ou dans le bain. Tu sais, t'es chill, là, tu fais ah, oh, beau petit courant d'eau chaude, que c'est pas nécessairement en lien avec la température, par exemple. Parce qu'il y en a des êtres qui apparaissent, qui viennent, puis que leur énergie est froide, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est mauvais. C'est 100% Mais d'accord. ouais, il y en a qui glace le sang, littéralement. Ceux-là, c'est des pots-pieds de bas astral, là, comme je les appelle. Fait que, ouais, ta question était vraiment excellente. Est-ce que j'ai bien répondu comment ressentir ou c'est encore Ah ben, flou? y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. C'est intéressant, je trouve, moi, de savoir comment que tout le monde, c'est différent, mais que ça peut se ressembler. C'est comme la sensation de te sentir enveloppé. Moi, parfois, mettons, je vais juste le demander, tu sais. C'est pas pour être autant ou me sentir plus bon que les gens qui m'accompagnent dans le monde invisible. Mais je le sais qu'on est tous égaux. Ils sont pas meilleurs que moi. Tu comprends-tu un peu qu'est-ce que je veux dire? Puis c'est, je le dis pas d'une manière hautaine, là. C'est vraiment du genre que on est tous des esprits. Là, moi, je suis juste là, j'ai besoin d'aide, mais des fois, j'ai juste besoin d'une présence. Puis des fois, je demande juste qu'ils viennent m'envelopper, là. Puis le sentiment que tu as dit, c'est carrément ça. Je le demande, là. Puis c'est hallucinant, la sensation qui m'envahit, là, dans tout le corps. Mais c'est ça. Moi, mettons des sensations comme toi, tu as eu, moi, c'est plus rare. Moi, je vais les voir du coin de l'œil, mettons. Mais je vais pas avoir de ressenti comme toi de sur le coup, là. Tu sais, faut comme j'aie une interaction. On dirait faut que. T'sais, si je l'ignore, ben je vois rien. C'est comme si ça va passer, là. Je sais pas comment l'expliquer. Ça me fessera Ouais. pas. C'est pas comme une vague de. Une vague d'une rivière que t'as pas le choix, elle va te fesser, puis tu fais tabarouette, c'est quoi ça, là, t'sais. T'as dit aussi, je demande qu'ils viennent m'envelopper. Fait que ça, c'est un point important aussi parce que les êtres de lumière, ils respectent notre libre arbitre. Ce qui veut dire que si on leur demande pas d'aide, à moins que ça soit un guide de naissance puis ou un ange gardien puis que là il y a un accident, ils vont s'en mêler sans qu'on demande de l'aide. Mais en général, tous les autres, ils nous respectent. C'est comme s'ils sont derrière une porte moustiquaire. Ils nous voient, ils nous entendent, puis tant qu'on n'ouvre pas la porte pour dire, guys, j'ai besoin d'aide, ben ils restent là eux autres. Ils respectent notre libre arbitre. Fait que c'est à refaire comme se brosser les dents, comme s'habiller, se laver, manger. Des invités. Moi, je les invite tout le temps. C'est comme là, on a commencé le live. Ben, je les ai invités avant pour que ça soit harmonieux, puis que pour que chaque personne qui est là en ce moment, soit toi, moi et tous ceux qui sont là, merci d'être là, à vous tous d'ailleurs, puissent en bénéficier, puis que ça soit les personnes qui ça peut faire du bien qui soient là en même temps. Fait que ça, c'est quelque chose que il y a plusieurs personnes qui n'osent pas faire pour pas déranger, mais ils sont là pour ça.
Puis ils peuvent se multiplier à l'infini. Fait qu'il n'y a pas de stress, là. On leur demande de l'aide. Puis on dit merci. C'est important aussi de dire merci. Comme quelqu'un qui nous ouvre la porte, bon, il dit merci après. T'es-tu là, lui? OK. Oui, c'est là. Je t'entends plus. OK. Allô, Allô, allô? Nathalie? Ah, non, c'est bon. Tout va bien. C'est que sur le coup, j'ai vu que tu étais figé. J'étais comme, il est obnubilé par mes paroles, c'est ça, ouais. Puis toi, quand, tu sais, supposons, là, tu tires aux cartes, justement, tu prends souvent le tarot de Régis, là, de ce que j'ai pu remarquer. Ouais, son oracle, excuse, t'as raison. Quoi? Tu fais bien de prendre les bons mots. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre oracle et tarot, là. Exact. Mais Ben. ça, c'est une affaire qui me ferait tu sais, puis j'essaie de plus en plus de me retirer. Pas de me retirer, mais je décide. Quand je dis oui, mais je choisis à qui je dis oui, mais c'est ça. D'être authentique, puis je trouve que c'est ça qui devient difficile avec TikTok. T'es tellement bombardé de contenu spirituel pour les gens qui sont là-dedans, mettons dans l'algorithme, qu'il y a beaucoup de faussetés. Puis tu sais, c'est correct. C'est des faussetés pour moi, dans ma vérité. Ça peut être une vérité pour quelqu'un d'autre dans la sienne. Mais ça ne vibre plus avec moi. Tu comprends-tu un peu qu'est-ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Puis c'est de quoi qui m'a fait encore, qui me bloque à revenir parce que je veux pas tant prendre les cartes parce que, tu sais, les cartes, oui, c'est bon. Puis en même temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode victime, qui s'accrochent à des choses que tu vas dire, mais qui porteront jamais action. Puis que là, c'est Ouais. pas bon. Puis que là, tu nourris comme une bête. Tu sais, puis pas je nourris une bête. Je le sais que ces gens-là sont responsables de eux. Mais ces gens-là m'écrivaient en privé. Puis là, c'était rendu comme j'étais rendu un psychologue. Puis à un moment donné, je disais à ces gens-là, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est en spiritualité aussi, elle dit, les gens qui veulent s'aider, t'écrivent pas en privé. Ils vont prendre rendez-vous avec toi, ils vont Ça, c'est juste. cheminer sur leur chemin à Exact. eux. T'es comme un support, comme ta béquille. T'sais, les gens qui te rencontrent, t'es comme une béquille, le temps d'un moment, mais si la personne, elle a besoin de toi à toutes les semaines, tu sais, aux 2 jours, c'est pas Ouais. normal, dans ma C'est comme vérité, tu sais, de remettre le pouvoir à l'extérieur. Exact, exact, exactement. Mais tout est Ouais. un outil, tu sais. Je vis la vie physique comme n'importe qui. J'ai ma flûte. C'est des outils. J'aime ça. Tu sais, comme ça, j'ai pas parce que j'aime ça. J'aime le. Oui, ça a des bienfaits. Est-ce que tu es capable de tout faire sans ça? Exactement, c'est sûr, à 100%. Pareil comme les soins, tu peux les faire en personne, à distance. Il n'y a pas de limite. On est sans limite. Ton corps physique, il y a des limites. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec l'esprit, avec ton âme et sans limite? Ouais. Hey, mais c'est fascinant. Hey, moi, je capote. Hey, je vais vous raconter, guys, un petit épisode vraiment spectaculaire qui s'est passé. Ça vous tente-tu? Vas-y. Je veux vous entendre. OK. Moi, ah, je suis mon meilleur public. Okay. Là, je vais vous les montrer à l'envers, là. Mais j'ai écrit Annie à la rencontre de l'invisible, tome 1 et tome 2. Puis là, je suis en train d'écrire le tome 3, OK? Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Je capotais, là, Olivier. Je capotais. Je t'écoute, C'est que. je Tu t'écoute. m'écoutes? Est-ce que vous m'écoutez, guys? Je veux vous entendre, moi! Enfin, elle est stressante, là. C'est ça. Le tome 3, c'est pas basé sur mon histoire, là. C'est vraiment tout canalisé. J'allais dans le boisé, je demandais à avoir des idées. Pac! Je recevais des idées, un gros ouais! On a plein On peut d'oreilles ici. pas écrire! Ouais, c'est ça, je recevais des idées en paquet que je venais mettre dans le roman, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai écrit, hey, c'est un bout, je pense que c'est au chapitre 18. Là, c'est rendu que Anya, l'héroïne du roman, elle rencontre Josh. Bon, C'est un jeune qui a l'air d'avoir 8 ans. Il a ses running orange, puis mais finalement, il a 300 ans. Et là, Josh, lui, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? C'est que
son guide, qui est un hibou, oui, c'est logique, il montrait comment manier sa baguette magique pour manifester des choses dans la matière. Puis là, Josh n'était pas 100% prêt pour ça, fait qu'il a manifesté tout croche, puis s'est manifesté tant un éléphant sur le pied droit qui a brisé la structure de son pied. Moi, je mets le roman de côté quelques instants, genre quelques jours, et quelques jours après, crac, je me craque la cheville droite. Non, ça n'a pas de sens. Et juste avant ça, avant l'épisode de Josh, dans le roman, là, j'ai reçu des messages pour moi. J'étais en train d'écrire ça, puis ça disait « Anya, nous sommes très fiers de toi, de ce que tu fais. C'est très important le travail que tu fais. Puis ce que tu vas apprendre bientôt va littéralement changer le cours de ta vie. » Puis quand j'ai écrit ça, j'étais dans mon bureau en arrière et je pleurais là parce que je savais que c'était un gros message que je venais de recevoir, mais je savais pas que ça aurait rapport avec une cheville cassée, puis que c'était un peu prédit dans le roman ce que j'étais en train de faire. Puis là, qu'est-ce qui est fun, c'est que Anya, elle apprend à bien manier la baguette avec toutes les instructions canalisées de A à Z. Alors, je l'apprends, le personnage l'apprend, les lecteurs vont l'apprendre, comment bien réparer le pied de Josh, soit la Ah, c'est cheville de Karine. ah, c'est une belle histoire. C'est Impossible, un hein? beau passage. Ouais, je capotais quand j'ai relu ça, j'étais OK, là, ce que je suis en train d'écrire, je veux que je fais attention, puis je m'arrange pour que ça soit ce que je veux qui se réalise dans ma vie actuelle. Parce que là, le roman, puis moi, on est chumé-chumé pas mal, pas mal, là. Fait que c'est Qu'est-ce que ça, tu veux mon dire? histoire. Qu'est-ce que tu veux dire, t'es chumé chumé? Ben, c'est comme une extension de moi, là. Ok, je T'sais, comprends. littéralement. Ouais. Ouais. Parce que ceux-là, c'est vraiment excellent, là. C'est tout ce qui m'a amené à être la personne que je suis, je donne. T'sais, c'est des enseignements qu'il y a là-dedans, là, en roman vraiment agréable à lire, mais basé sur une histoire vécue, tandis que l'autre, c'est vraiment tout canalisé, là. Que Comprends. quand j'écris, j'oublie tout. De A à Z. Puis là, je leur lis, puis je suis comme, wow, OK, fait que j'apprends des affaires, là. Fait que les gens apprennent des choses lorsque je vais le sortir, là, bien entendu, là. Fait que c'est pour Est-ce que ça, tu t'en sers dans tes rencontres de plus en plus, l'écriture, ou tu le faisais déjà? Soit écriture automatique ou juste de canaliser en écrivant des messages aux... Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu comprends ma question? Ouais. Non, je l'utilise pas dans les séances en tant que telle parce que ça va vite, là. Tu sais, j'ai pas le temps d'écrire, là. Je le dis. Bah, 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 bah. Moi, mes séances, c'est 50 minutes, là, mais les gens en ont tellement pour leur argent parce que, right on! Tu sais, je parle pas de la pluie et du beau temps, là. Tout de suite, tu me connectes, là. Pouf! Là, ça rentre au poste, puis là, da, 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 puis là, je leur dis, OK, toi, écris ça, c'est important, là. Fait que, en fait, ce que je transmets, c'est que c'est ce que la personne a besoin d'entendre, pas qu'est-ce qu'elle veut entendre. Exact. Ouais, mais c'est la meilleure des choses. Ouais. C'est surtout ça, là. Parce que moi, Faut qu'on. je flatte pas gratuitement, là. Même si les gens me payent, je Ouais, flatte pas, mais tu sais. même moi, j'ai. Tu sais, je vais faire un saut du coq à l'âne, mais en même temps, oui, puis non, ça va faire une liaison, là. Mais moi, depuis le début de mon éveil, je suis gros intrigué par la bibliothèque akashique. Je sais pas si tu as déjà entendu. La bibliothèque universelle. Puis toutes les guides de lumière. Tu sais, pour les gens, là, quand ils se demandent des fois pour connecter pour eux autres mêmes, OK? Canaliser pour eux autres mêmes, comme la phrase que tu viens de dire, ça va faire du sens. C'est pas pour te flatter dans le sens du poil les messages que tu vas recevoir, mais sois capable d'observer qu'est-ce que tu canalises pour toi-même en méditation ou peu importe comment tu le fais en marchant. Quand tu poses une question qui vient avec ton cœur, admettons, puis. C'est pourquoi que cet événement-là m'arrive en ce moment, peu importe quoi, tu vas te rendre compte que les messages y arrivent, mais c'est exactement comme Karine a dit, c'est pas ils joueront, ils feront pas comme une victime puis dire ils vont te taper ses épaules. Ils vont te dire les vraies choses comme qu'ils sont, puis le pourquoi de que tu vis ça en ce moment. Puis parfois, c'est de ta faute aussi, des choix que tu as faits qui
qui te mène à ce chemin-là aussi, tu sais. Puis comment tu reçois, toi, tes réponses, Olivier? Hi, Nathan. Excuse-moi. Allô, tout le Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est un anglophone qui me suit. Moi, allô! Mais non, mais c'est correct de saluer les gens. comment je reçois, moi aussi, c'est, tu sais, puis je crois que tout le monde a toutes les clairs d'ouvert. Ça, c'est ma croyance. On les a tous d'ouvert, on les utilise pas tous. Parfois, plus un que l'autre. Par moment de ta vie, ça va changer, tu sais. Ça, c'est qu'est-ce que moi, je crois. Si je fais des soins Reiki, la position des mains, moi, il y a vraiment quelque chose dans mes mains. Je sais pas c'est quoi, mais c'est quasiment comme un rayon X, là, tu sais. C'est que quand je mets mes mains, si je ferme mes yeux sur la partie du corps, je peux voir des vies passées, exemple. Je peux voir l'os. Ça, mettons, il y a quelque chose dans la structure de l'os. C'est inexplicable, ça, je te dis. Puis il y a parfois des moments où est-ce que je dois libérer des gens, mais que dans le fond, je libère pas. La personne se libère elle-même, mais moi, je suis comme le canal pour l'aider. Puis il y a des fois que ça va l'air fou, qu'est-ce que je dis là? Il y a des fois que je vais voir qu'est-ce que la personne libère, OK? Que je vais être capable de reparler avec elle après. Puis il y a d'autres moments là, que je vois des X, OK? Puis je vois juste plein de X comme... Ça fly comme un... Tu sais, puis je vois pas clair comme si je regarde la télé, là. Je vois quasiment comme en noir et blanc. Puis parfois, c'est comme si le temps s'arrête. Je vois super clair. Pouf! Ça repart. Ça, c'est Par pour ton les... troisième œil, sur ton écran mental. Exactement. Puis ça, c'est spécial. Parce que où est-ce qu'elle vient le côté spécial, c'est que si tu penses que tu peux avoir peur de voir des choses, tu vas t'auto-bloquer de voir. Mais quand tu te rends compte que finalement, tu sais, l'ombre et la lumière, c'est toi, qu'est-ce que tu risques de voir? Ça se peut que tu voies des choses que t'aimes pas, mais c'est là que tu dois ne pas donner d'attention à ces choses-là. Tu sais, si tu donnes pas d'attention, tu nourris pas. Ben c'est ça. J'ai vu des choses pas belles. Est-ce que moi j'ai été attaqué? Moi personnellement, c'est ça, c'est des croyances. Moi je me suis jamais fait attaquer ou des choses comme ça. Mais j'ai aidé des gens à sortir des choses. Je vais le dire entre guillemets là, parce que je veux pas des choses moins bonnes pour eux. Puis il y a des fois que c'est ça, je pouvais pas voir. C'est comme si la personne, j'étais juste là pour aider à ce moment-là, puis je voyais rien. Mais il est arrivé une histoire moi C'est arrivé avec ma conjointe. J'étais rendu au niveau de ses pieds, puis j'ai carrément vu des autochtones. Ok, puis c'est là qu'après ça que j'ai acheté ma flûte. J'ai vu des autochtones arriver. Ils arrivaient. Ils étaient en train de se faire comme une genre de fête. Puis là, après ça, je vois une scène, puis c'est des colons qui arrivent avec des couteaux, puis ils commencent à toutes les poignarder, toute la gang. Ah Une scène d'horreur, je te le dis là. J'étais traumatisé, puis je l'ai dit à ma blonde. Tu sais, je dis, c'est fou là, qu'est-ce que j'ai vu. C'était comme si j'étais là. Un an plus tard, je rencontre quelqu'un, une clairvoyante, elle me raconte la même scène, mot pour mot, le même événement, puis là, elle me raconte ça, puis là, je réalise, quand je l'ai fait à ma blonde, tu sais, dans le fond, j'étais là, mais je le savais pas. Quand j'y ai fait, moi, je pensais que c'était ma blonde, mais dans le fond, on était ensemble à ce moment-là. Vient la flûte que là, j'ai achetée, parce que là, moi, dans ma tête d'humain, je me dis... C'est un ancêtre. Mais au début, je pensais pas que c'était moi. Je pensais que c'était mon ancêtre. Fait que là, moi, pour me connecter à mon ancêtre, j'achète la flûte, puis je me connecte à lui. Jusqu'à temps que je réalise que non, c'est moi. C'est moi-même. Je connecte comme à moi-même. Là, je sais pas où est-ce que je voulais m'en aller, là, mais... Tu disais, tu vois, de la manière que tu voyais ça, tu vois des X passer, tout ça, là, ça revient. Là, tu faisais un soin à ta blonde, tu as vu des Autochtones, tu as pris ta flûte, tu voulais connecter avec ton ancêtre. Hey, j'ai tout écouté, là! 10 sur 10! Exact. Mais tu sais, ça, je sais pas si tu vas pouvoir relate là-dessus, mais il y a des fois que, tu sais, puis ça, là, c'est vraiment, là, à peu près 2 ans, là, de ça. OK? Non, tu peux réparer. Mais après avoir eu des visions aussi intenses, puis belles, puis là, le fun, là, je tripais, là. Tu comprends-tu? Je Ah, tripais. tu disais homme-lumière Ouais. de ce qu'on peut voir se bloquer. Ah, exactement. C'est Non, là c'est ça. Puis je pense que je me suis bloqué moi-même, mais inconsciemment, pas parce que j'avais peur, parce que je voulais recréer de voir ça sur tout le monde. Tu comprends-tu un peu qu'est-ce que je veux dire? Ouais.
Même affaire pour toi, mettons, si tu fais un client, ça se peut qu'il y en ait que tu as plus de stock. Comme tu as plus de stock qui rentre, puis il y en a d'autres qui ont moins de stock qui rentre, tu sais. C'est correct. Mais quand tu le prends avec ton ego puis ta tête d'humain, puis que là, tu te dis, ah, c'est moi, tu sais, puis qu'est-ce que, tu sais, je suis décalibré, j'ai dit quelque chose, je suis passé enraciné, mais non. Il y a des gens, des fois, que c'est ça. Il y a d'autres gens, il y a des journées que tu vas voir plus que d'autres. Il y a des journées que tu vas être capable d'entendre plus que d'autres. C'est de pas mettre de limite sur comment que le message va arriver, tu sais. Quand tu demandes un message, ça se peut que ça soit une synchronicité. Ça se peut que tu aies une vision. Ça se peut que tu entendes une chanson à la radio. Mais quand tu essaies d'être trop spécifique, je trouve, des fois, c'est, tu te bloques toi-même de voir toutes les autres affaires que finalement tu te fais Ouais. envoyer. Ben moi je le vois comme tu sais un boyau d'arrosage là, il y a l'eau qui circule, puis les attentes, c'est qu'on vient tu sais, fermer le boyau de même. Fait que là, l'information ne peut pas rentrer. Tu sais, avec les attentes, on se bloque, 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 bloque. Mais quand on fait, OK, ben j'ai posé une question, je relâche, je vais la recevoir, ma réponse, là. Que ça soit une impression, soit, hey, j'ai à aller à cette place-là, ou je vais appeler cette personne-là, je vais écrire à une autre personne, ou par rapport, je vais allumer la télé à ce moment-là, puis clouc, il y a une émission qui va me parler. Tu sais, tout ça, là. Ou t'entends une conversation puis t'as exactement ta réponse. Tout ça, ça vient direct au moment opportun, pile poil parfait Coucou. dans la pièce de théâtre que toi t'es en train de jouer, que moi je suis en train de jouer, puis que ceux qui nous écoutent sont en train de jouer. C'est tout le temps de même. Tout On c'est non mais joue c'est un jeu. ça. C'est carrément ça. Puis moi je voulais faire un, tu sais c'est de quoi que je veux. Quand tu disais tantôt là, puis je sais qu'on sort du coq à l'âne là, mais c'est ça. Tu sais la vie c'est ça, c'est d'apprendre à sauter du coq à l'âne. Tu sais. Puis de quoi là, je viens de perdre mon idée là. Je fais juste ça. Je suis comme OK, mais check, Olivier, Nathalie, elle te Donne-moi. demande, ton ancêtre, c'est toi dans une autre dimension? Point d'interrogation. Oui, mais ça, c'est des affaires que des gens croient. Il y a plein de théories. Il y a des gens qui croient une théorie comme quoi, même ma fille, elle me parlait de ça. Elle dit, imagine si tout le monde, c'est toi. OK? Puis, on doit vivre la vie de tout le monde avant d'atteindre comme l'extase finale de on vit dans un bon monde. Là, t'sais. Mais ça, c'est une théorie parmi des milliers de théories, là. Il y en a plein. Mais une affaire, tu sais, pour faire du pouce sur l'histoire de l'ancêtre, là, c'est que je crois que oui, c'est sûr qu'on a des ancêtres. Si je suis ici en ce moment dans le monde physique, c'est parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils ont fait l'amour, puis on est là, tu sais. On a des ancêtres. Mais cette personne-là, moi, j'étais sûr que c'était mon ancêtre, puis finalement, après avoir mis ma flûte sur lui, puis après avoir moi connecté avec lui, j'ai su que c'était moi. Tu comprends-tu? Puis qu'est-ce qui est magique et spécial? Puis ça, je le pratique de plus en plus en méditation, là. Il y a beaucoup de gens qui font des méditations enfant intérieur, OK? Mais moi, je les reverse. Puis je dis moi, là, je le dis tout le temps d'une manière, tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre, je suis authentique, je fais des essais, des erreurs comme n'importe qui. Mais je me connecte à moi du futur. Le futur n'existe pas, mais d'un autre timeline plus vieil que moi. Tu sais. Quelqu'un de plus sage que le moi du présent, tu sais. Puis j'essaie de recevoir ces informations à lui, qu'il a à me transmettre à moi. Puis je te dis, c'est fou de te rendre compte que, tu sais, tout est là. Puis l'autre fois, j'ai eu cette canalisation-là en marchant, là. Tout est là, là. Si tu le vois dans le monde physique, là, des fois, tu t'en rends même pas compte. Pourquoi j'ai acheté ça? Non, mais des fois, c'est même pas toi qui as voulu lâcher. T'es guidé à acheter des affaires, puis t'as toute l'information. Tu sais, des fois, tu vas avoir un livre chez vous, là, ben, rouvre-le, puis... Tourne-le, lis-le. Tu peux être surpris de voir à quel point que tu as tout déjà qu'est-ce qu'il te faut autour de toi dans le monde physique pour avancer vers ta prochaine étape, tu sais. Il y a Chamani qui dit on Ben, est le tu sais. personnage principal de notre vie. Oui, exactement. Puis ça, il y a des gens qui vivent la vie comme un personnage secondaire. Puis c'est là que souvent qu'ils vont être victimes. Puis c'est tellement beau. Exact. C'est beau quand tu vis ta vie à toi puis tu te rends compte que tu pourras jamais plaire à personne. Ton ton de voix va gosser des gens. Ton attitude va en gosser d'autres. Ta perception de la vie va en gosser. Quand tantôt t'as dit une phrase, Karine, qui m'a fait rire, mais c'est la vérité. Je suis mon meilleur public. Ben, moi aussi, je me le dis souvent, puis je me fais rire moi-même. Des fois, je suis en auto, puis c'est ça. Il faudrait que tu sois ton meilleur ami, ton meilleur fan, que tu taises les pensées le plus possible.
Puis moi, en 2024, de quoi que j'essaie de faire, puis je pense que je t'ai entendu parler de ça, d'être plus dans la joie, mais tu sais, moi, je vais dire d'être plus dans mon cœur. Je suis gros dans ma tête, puis j'essaie de plus en plus d'être plus dans mon cœur, puis de le faire pour me faire du bien, à place d'être dans le mental. Ouais. Ouais. Ici, c'est petit. Ici, c'est grand. Ah, c'est vraiment ça. Ouais, c'est confiné là-dedans, mais là, il y a de l'espace. Puis, tu sais, la joie, là, on n'a pas besoin d'attendre aussi que ça vienne de l'extérieur, là. Tu sais, Exact. moi, j'écris des affaires des fois juste pour mon plaisir, parce que ça me fait très rire. Puis après ça, je suis toute joyeuse. Puis, ça aussi, plus que j'ai remarqué, là, plus que je fais, tu sais, que là, j'utilise le terme faire. Parce que c'est l'être qui fait, l'être qui décide de faire, mais c'est pas je m'oblige à faire, mais je m'encadre ou je me pousse à le faire pour un résultat, soit le sentiment d'accomplissement véritable qui vient après, et aussi le fait d'être en amour avec moi-même. Après ça, je tripe sur moi. Là, je crée des choses, puis là, je suis wow, OK, c'est moi qui ai fait ça. Puis c'est pas ah, je me pète les bretelles, je suis une pintade Non. bâtarde sur la rue. C'est simplement un état qui fait que encore, ça met encore plus d'espace là-dedans. Et plus qu'il y a d'espace là-dedans, plus qu'il y a d'espace à recevoir et à redonner autrement qu'ici, où c'est tout petit, tout petit, tout petit. Fait que la joie, là, il y a. Si je peux donner un message à tout le monde ici, là, important de ressentir de la joie chaque jour, puis de le mettre dans l'horaire. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Fais-le une fois au moins par jour. Là, il y en a des petits coquins qui vont penser juste à jouer après leur corps. Si ça te fait plaisir, fais-le. Mais il y a au-delà de ça qui amène un plaisir à plus long terme. C'est surtout de ça dont je parle. Ah, je comprends totalement qu'est-ce que tu dis, puis c'est, tu sais, c'est de quoi qui est triste avec les réseaux sociaux, mais qui se perd. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se distraire de leur vie à la place de juste vivre la leur, puis de se rendre compte que c'est leur meilleur ami qui regarde dans le miroir le matin quand ils brossent leurs dents, puis de dédramatiser qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. Tu sais, de te rendre compte que ça va passer. Tu sais, regarde, moi, v'là un an, là, j'étais passé au feu ici, là, je pleurais dehors de ma maison. Et on s'est ramassé dans un 5 et demi, une histoire qui a pas de bon sens, je te le dis. Tu sais, tout le monde vit des histoires comme la mienne, comme celle de toi qui se casse la cheville, qui l'avait écrit dans son livre. Tu raconterais ça à quelqu'un, il va te dire, t'es folle, là, voyons donc, ça a pas de bon sens. Mais moi, je m'en fous à cette heure que les gens me trouvent fou. Tu sais, que je raconterais, tu sais, dans un prochain live, qu'est-ce que j'ai vu de mes yeux d'humain. Il y a des gens qui vont me dire, voyons donc, t'hallucines, t'es fou, t'as le droit de penser ça, mais je l'ai vu. Puis il y a juste moi qui l'ai vu, c'est ça l'important. Moi, je le sais que c'est vrai. Puis depuis que j'ai vu, tu sais, je vais aller là-dessus après parce que je voulais te poser la question tantôt à propos du contrôle puis du lâcher prise, parce que depuis que je pratique plus ça, c'est là que je réalise que tu débloques, je te mets comme ton tuyau tantôt, là. C'est la même affaire pour moi, là. Je suis quelqu'un qui était gros dans le contrôle, OK? Dans le contrôle de mes expérimentations, de mes expériences. Fait que je me faisais inviter quelque part, on allait quelque part, où j'avais une journée, une activité. Je me disais déjà comment que ça allait se passer quasiment dans ma tête, là, t'sais. Puis maintenant, là, c'est, je lâche prise sur l'expérience. Si je vais là, il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est ça, c'est carrément un film. Il y a tout le temps de quoi qui se passe. Des fois, même si c'est aller au dépanneur, t'as aucune idée. Ding, ding, ding! Il y a quelqu'un qui rentre l'autre fois dans un magasin, quelqu'un faisait 15 ans que j'avais pas vu. Bang! Elle rentre là à ce moment-là, tu sais. C'est ça C'est que quoi les pour. choses? Ben c'est quoi les chances, justement? Puis là, on parle, puis c'est tout le temps des beaux moments quand tu es capable de les voir, ces choses-là. Et que ça soit plus. Parce que c'est ça qui est difficile dans notre vie d'humain, c'est qu'on se réveille tous les jours, puis t'as l'impression que c'est pareil parce que tout est pareil dehors. Il n'y a rien qui change, ou presque. Tout est tout le temps pareil. Oui, les saisons changent, mais ta vie reste la même. Tes dettes sont là. Des fois, t'espérais que tes dettes partent par magie. Mais tout est pareil. Fait que c'est difficile de te dire, crème, mais c'est pas la même chose. Il y a personne qui peut te dire, entre ton dodo puis ton réveil, si t'es exactement à la même place. Fait que pourquoi que tu Ah te lèves oui, le puis la matin? nuit. Hein? Mais pourquoi tu te lèves le matin? Moi, avant ça, c'est ça, je te dis, je pouvais apporter des choses de la journée d'avant.
dans ma journée d'après. À moi, le personnel à moi, des ressentis. Puis ça sert absolument à rien. Absolument à rien. Ouais. Puis On est la go nuit, la hey, marée. il y a du stock qui se passe la nuit, là. On fait pas Oui. rien que dormir, là, guys, là. On se Non, promène. On se promène puis on télécharge, là. Ça rentre au poste, ça rentre au poste. Olivier, tu disais tantôt, tu sais, qu'est-ce que tu as vu avec tes yeux d'humain? On pourra en faire un live, qu'est-ce que t'en penses, un prochain live, que je vais ressortir des notes de ce que j'ai vu parce que moi, j'oublie comme une belle petite dingue. non. J'oublie tout ce que je vois, là, parce que j'en vois beaucoup. Mais, tu sais, comme de mettre un top, je sais pas quoi, 5 ou 10, chacun de notre côté, de ce qu'on a vu, puis on pourra en parler. Est-ce que ça vous Tout à fait. tente, guys, qu'on fasse ça? Écrivez-nous ça, dans le chat, voir si, y a un intérêt en ce sens-là. Des choses extraordinaires qu'on a captées, là, puis on pourra en parler. Yes, Marlene! Puis tu disais, tu voulais me poser une autre question, Olivier? Yes, l'étoile galactique, oui, vraiment. OK, super, on va faire ça. Ben, ça. À savoir, toi, le contrôle dans ta vie, quelle place qu'il y a. Puis après ça, je vais pouvoir poser d'autres questions, là, mais OK. es-tu quel... Tu sais, puis moi, on dirait que je suis zéro contrôle. Tu sais, mettons, là, tu viendrais ici, moi, je te contrôlerais pas, mais en voulant dire, je suis un père de famille, j'ai 5 enfants, j'ai de la difficulté à me rendre compte que les gars qui... Tu sais, j'ai peur pour leur futur quand je me rends compte que finalement... Tu sais, puis je sais tout ça, je le sais dans mon cœur, là, que j'ai pas à m'inquiéter. Tu sais, même s'ils font des conneries, là, le passé n'est pas garant du futur. Puis le fait qu'ils se donnent des coups va pas dire qu'ils vont être des batteurs de femmes plus tard. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais des fois, je vais tellement loin dans mes scénarios de que je veux contrôler tout pour que rien n'arrive. Tu sais, Ah, ok, ouais. je veux préserver pour que rien n'arrive à place de juste. Puis ça, c'est arrivé cet été à un de mes gars. Exemple ici, cours pas dans la porte patio. Cours pas, je te l'ai dit, cours pas, cours pas. Là, quand que je watch pas, il court, il tombe direct. OK? Appeler l'ambulance, fendu le genou au complet. L'ambulance est venue ici, le plancher était plein de sang. Il a pas mal plus appris là que moi, j'étais même pas présent puis j'ai rien dit, que toutes les fois que moi, je donnais de l'énergie, arrête, arrête, arrête. C'est là, je veux dire, le contrôle. Je pensais contrôler l'univers quand qu'il n'y a pas de force plus puissante que l'univers. Il n'y a personne qui a contrôle. Puis il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont peur avec qu'est-ce qui arrive, ou bien l'élite, ou bien peu importe. T'sais. Puis je regarde ça de l'extérieur, puis ça me fait un peu rire parce que même eux ne contrôlent pas. Il n'y a personne qui contrôle les autres. Personne. Si tu as à vivre un événement, crée-moi qu'elle va te faire passer par tous les chemins pour que tu le vives, cet événement-là. Ah oui, tout à fait, Mais toi, là. Oh my God, t'es-tu. qu'on contrôle rien. L'univers dit, justement, l'univers te parle, Dr. Funky, dit, je suis pareil comme vous à ce niveau pour les enfants. L'univers te parle. Mais pour le contrôle, j'ai deux perceptions par rapport à cette question-là. Mais avant ça, t'es-tu d'accord pour notre futur live? Parce que moi, je suis là, comme je dis aux gens, ça vous tente-tu? Puis je te pose même pas la question à toi. Ah non, c'est sûr, moi j'aimerais ça que c'était le prochain live. Après, on continuera sur le contrôle. Mais j'aimerais ça qu'on parle d'expérience. OK? De qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites pour grandir spirituellement? Quelle expérience vous tentez? Que ça peut être des méditations, des tambours, les expériences différentes de tous et chacun, des bains sonores. Ça peut aller plus loin, là, plus profond. T'sais, moi, je vais parler des miennes que peut-être des gens vont juger, mais je veux partager parce que c'est important. Puis c'est ça. Qu'on parle Ah, ok, aussi c'est une bonne idée. de qu'est-ce qu'on a Ouais. vu, là. Ok, nice. Par rapport à ta question sur le contrôle, tu sais, ben là, je sais pas si tu sais, j'ai la cheville craquée. Et avant ça, tu t'es séparé. Est-ce que ça venait de toi? Est-ce que c'est une décision que toi t'as prise? Ouais. OK. Exact. Puis juste avant qu'on fasse notre live, toi et moi ensemble, je viens de faire une vidéo avec mon ex où OK. on se bataille. Mais non, c'est pas vrai. Mais pour ceux qui sont curieux, vous irez voir sur YouTube Karine Drôle d'Illuminée. Je vais la mettre ce soir en ligne. Mais oui, puis j'explique là-dedans pourquoi, entre autres, que je l'ai laissée.
Voilà. Fait que, mais tu sais, par rapport à maintenant, avec la cheville craquée, tu sais, moi, j'ai reçu des gens chez moi, mais en fait, ils sont venus me recevoir chez moi. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime recevoir, prendre soin du monde, tu sais, placer les affaires, tout ça. Là, j'étais là sur le divan, puis j'étais, OK, tu peux rentrer. Puis j'étais Ah, tu assez. vivais pas. Moi, je bougeais pas. Puis là, eux, ils viennent pour la première fois chez moi, là. Puis là, ils cuisinent, puis ils me servent. Puis moi, je suis, ben merci, hein. Puis ils font la vaisselle. Puis, hey, lâcher le contrôle, je l'ai lâché assez solide, Ouais, mais là. tu trouves ça? Ben, sur les premières fois, je trouvais ça un peu. Mais en même temps, j'étais tellement droguée des médicaments que ça a bien passé. Puis maintenant, massacre, ça m'a vraiment aidée à délousser en ce sens-là. Tu sais, j'étais tellement perfectionniste de bien recevoir, que ça soit beau, que tout soit propre, que maintenant, je fais OK, mais on a du fun quand même si tout ça n'est pas parfait, là. Ah, c'est exactement ça. Même Même si si t'es pas c'est pas encore venu laver parfait mon pour toi, plancher. hein? Même si c'est pas parfait pour toi, l'événement est parfait. Tu sais? Ouais, exact. C'est ça, moi, que c'est, on se rejoint là-dessus, c'est exactement ça que j'essaie de plus en plus de vibrer. Mais parfois, c'est difficile avec les enfants, mais c'est ça. C'est moi, j'ai des choses à travailler sur moi avec ma vie à moi, là, mais. Ils ont quel âge, tes enfants? Ben là, ils vont tous, ils avancent tous, là, janvier, février, fait que j'en ai deux de 12 ans. Après ça, c'est 5 ans, 8 ans, 9 ans. Puis une nouvelle à annoncer à ceux qui sont dans le live. Ma blonde, elle accouche dans peut-être un mois et demi. Puis je voulais faire une parole là-dessus parce que tu sais, j'en ai pas parlé à grand personne. Puis je dis pas ça par. La Wow, phrase que je dis okay. là, c'est vos projets. Tu sais, comme toi, mettons ton livre. C'est correct d'en parler parce que tu sais, sûrement que tu es rendu loin dans le processus, mais d'un départ, sûrement que tu n'en parles pas. Puis je sais que je t'ai déjà entendu parler de ça, de garder tes choses pour toi, ta vie, tes projets. Les gens peuvent le voir quand il est là, tu sais. Puis de garder ces choses-là, là, parce que c'est précieux. Puis on a vécu des fausses couches, on a vécu des affaires, puis vivre des. C'est comme toi, mettons, tu annonces que tu vas faire un livre, puis que finalement, il t'arrive de quoi, puis que. Peu importe, là, que tu le fais pas, puis là, tu te fais poser des questions, quand est-ce qu'il arrive, puis là, t'es pas bien là-dedans, là, tu sais. Moi, en tout cas, j'étais Ah pas ouais, je bien, là. comprends. OK, mais là, ah ouais, fait que là, tu l'annonces pour la première fois live. Ouais. Fait qu'on Hey, a fait merci. un petit garçon. Ben, moi, c'est une affaire que j'avais demandé, tu sais, je vais donner un flash sur notre prochain live, là. J'avais déjà demandé, quand on était à l'appartement, quand on a passé au feu, est-ce qu'un autre homme va nous choisir ou c'est terminé? Parce que, tu sais, je suis chanceux. On a cinq enfants, ils sont tous en santé. Tu sais, pour de vrai, j'ai rien à dire. Il y a des personnes qui en veulent, qui sont pas capables, tu sais. Il y en a qui sont malades, bref. Puis j'ai fermé mes yeux, j'ai médité, puis j'ai vu carrément l'embryon dans le ventre de ma blonde. Puis le lendemain, j'ai demandé, j'ai dit, va donc faire un test pour le fun. Elle a fait un test. Bang! Puis là, lui, on l'a perdu. Ah, oh, OK. Ouais. Puis lui, je l'avais dit. Tu comprends-tu un peu? Fait que c'est toutes des affaires Ouais. de même que, tu sais, peut-être que ça n'a aucun rapport que je l'ai dit ou pas, mais maintenant, j'essaie de plus en plus de. Parce que quand tu parles de des choses, automatiquement, tu te fais juger par les pensées des gens puis par leur chemin à eux. Fait que, admettons, tu vas parler toi de ton projet de livre à quelqu'un qui a de la difficulté à écrire ou à faire des projets, ben lui va interférer, veut pas, sur ta réalité à toi. Ça veut dire, voyons donc, elle sort un troisième livre puis. Tu sais, puis c'est de la Ouais. jalousie, c'est de l'envie, c'est pas des belles choses. Ben, l'étoile. L'univers, son prénom, c'est Olivier. Parfait. L'univers dit, oh, docteur Funky, je pense que sur certains points, on se L'univers. T'as ressemble quelqu'un qui pas s'appelle mal. Fait que, l'univers. Olivier? Olivier, je vais répondre à ta deuxième question de contrôle, puis après ça, je vais contrôler le live, puis je vais quitter parce que ça fait déjà. J'ai fait une heure et quart de vidéo avec Steph tantôt, puis là, avec toi, ça fait déjà ça à peu près. Fait que, commence à avoir les yeux de même. mais le contrôle par rapport à l'énergie, exactement comme tu disais tantôt, pas contrôlé. Le mieux.
pas contrôlé possible, c'est là où tout s'aligne. Parce que nous, on a, avec notre cerveau d'humain, une vision obtuse des choses. Obtus, aiguë. Tu sais, parallèle, là, vraiment, avec des œillères d'humain. Tandis que quand on l'ouvre dans l'énergie, excusez, j'ai des poils de chat, là, ben ça fait vraiment plus vaste, puis il y a de quoi d'encore mieux qui peut se passer que d'essayer de tout contrôler. Comme là, jeudi, je vais accéder à une soirée où on met nos objectifs pour OK. 2024 sur papier, mais ça, j'y vais, OK? Un peu en contresens parce que par le passé, quand j'ai écrit des objectifs, j'ai souvent été déçue parce que c'est pas ceux-là qui se sont réalisés officiellement, mais qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Je pense qu'on peut avoir des gros morceaux, exemple déménager, sortir un roman, avoir une constance pour un podcast. Hello, Sam! Tout ça, là, ça se peut, là. Mais sinon, par rapport au reste, c'est important d'y aller, tu sais, en cadre, mais là-dedans, go with the flow, là. Exactement. Puis je veux faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis parce que j'avais cette réflexion-là depuis quelques mois, puis ça vient de me repopper avec qu'est-ce que tu dis. Des fois, tu penses savoir qu'est-ce que tu veux, mais c'est pas qu'est-ce que est le mieux pour toi. Tu sais, puis c'est ça qui est fou aussi de se dire, puis c'est là quand je te dis que j'essaie vraiment d'être dans un lâcher-prise, puis il y a des gens à qui j'ai parlé qui me disent, tu joues à l'arrogant avec l'univers, puis t'sais, les gens ont le droit de penser à ça. Moi, je crois une chose, c'est que l'univers ne me veut pas de mal, puis elle sait le mieux pour moi. Moi, j'observe tout ça, là. Tu comprends-tu? Fait que si je pourrais avoir un enfant, OK, si je le dis à des gens, comme exemple ma mère, ben ouais, t'en as déjà cinq, blablabla, blablabla. Si on en a un autre, il y a une raison derrière tout ça. C'est oui, je comprends qu'on a fait l'amour, moi et ma blonde, là. Mais tu sais, moi, je suis un bébé stérilet, là. T'sais. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Tu comprends-tu un Ah peu? S'il y a de quoi ouais. arriver, ben, ah non, mais c'est ça. S'il y a de quoi qui est pour t'arriver dans ta vie, ça va t'arriver. Puis j'essaie de plus contrôler, tu sais, puis je dis vraiment à l'univers, à tous les jours, tu sais, ça va être une belle journée, peu importe qu'est-ce qu'il m'envoie, quel humain que je vais faire face, tu sais, quelle énergie, tu sais, puis c'est ça. C'est vraiment ton état d'être qui va jouer sur toute ta vie, puis plus que tu es capable d'être en paix dans le chaos, comme je disais tantôt, puis d'accueillir tout ce qui t'arrive sans savoir c'est quoi le meilleur pour toi. Parce qu'en bout de ligne, on pense le savoir, comme je répétais tantôt, mais on le sait pas vraiment. Ça, c'est ma vérité. On sait pas vraiment qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Puis la meilleure preuve, on a tous fait des mauvais choix ici, puis qu'on pensait que c'était un bon choix à un moment de notre vie, tu Hey, ça, c'est vrai, j'adore ça. C'est vraiment bon, ça. C'est On a carrément tous ça. fait des mauvais choix. Hey, tout le monde, c'est de même qu'on apprend. Rendons-nous à l'évidence. Fait que. Merci pour ce beau moment-là. Suivez-nous, ben pas physiquement chez nous là, mais Suis-moi jusqu'au magasin. juste appuyez en haut sur le plus pour nous suivre, puis voir notre prochain live. Sinon, d'aller voir ma chaîne YouTube, Karine Drôle d'Illuminée. J'ai bien des belles suggestions à vous proposer dans les prochains jours. Soit mardi prochain, il y a de quoi de big qui s'en vient. Et puis, sinon, tu vas voir, là, ça va être quelque chose d'unbelievable. Et puis, aussi, je suis disponible pour des soins individuels, de groupe, les romans, etc. Fait que, Karine Deneau, DENEALT.com, ça, c'est mon site web où il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, de gratuit à 100 000 $ pour 1 minute en 7 simples versements. Puis ton livre, il sort quand? Je sais pas si tu l'as dit tantôt, mais je n'ai pas entendu. Non, mais tu sais, justement par rapport au contrôle, moi je m'étais dit l'année passée que je sortirais en février, mais là c'est impossible là. Je me suis craqué la cheville, j'étais pas là moi pour écrire pendant un bon moment. Fait que là je m'y remets. Il tire sur la fin. Va Toutefois, sortir je au dois bon quand même. moment. C'est ça, je vais le faire réviser tout. L'autre fois, j'ai fait un lapsus avec une amie. Je dis, ah, je vais sortir mon roman avant que je me craque la cheville. Je dis, au mois de mai. Puis là, je dis, de quoi je parle au mois de mai? Ça va être février. Fait que peut-être que ça va être le mois de mai, finalement, là. Ou avant, j'ose espérer. Fait que, voilà.
Merci Puis toi, de ta ton bébé, il sort présence. quand? Nous autres, ben, ma blonde, elle a tout le temps accouché d'avance. Nous autres, il est dû pour le 22 mars. Mais d'après moi, ça va être fin février, sûrement. Nous autres, on est. Ah En autant que ça soit pas le 29. non, mais c'est ça qu'on a dit cette année, ça serait pas pire que ça soit le 29. Nous T'aimerais autres, ça? on a trois gars, tout en février. Ah, OK. Ouais. Fait que vous autres, bang bang, c'est quoi à février, Un mars, avril? calcul Au possible. mois de mai, ça y va au printemps. Hein? La saison Bon, des ça va pas amours. les jokes grivoises, Salut, là. Vanessa. Hey, merci tout le monde d'avoir été là, de mon côté et du côté Olivier. Puis, ben, on va vous tenir au courant pour le prochain live. Là, en ce moment, j'ai pas accès à mon agenda parce qu'il est dans le live. Mais on va se parler de ça, Olivier, puis on va trouver un moment. Merci beaucoup de l'opportunité. Ça fait plaisir. Merci d'avoir sorti de ta grotte pour ça aussi, hein? Bye tout le monde! Bye.